Le client me demande de sauver son bas de casse. Deuxième partie, résultat à la fin de la vidéo. Le client était surpris du résultat, était super content. Je mélange le mastic aluminium pour pouvoir le poser par la suite. Il est plus résistant, c'est parfait pour un bas de caisse. Une fois posé et sec, je le ponce au P120 à la ponceuse et à la cale. Les gars, j'ai posé mon mastic aluminium, je l'ai poncé, j'ai refait mes arêtes. Donc là, comme vous voyez, c'est vraiment parfait et le bas de caisse était vraiment pas beau. Hein. Franchement, il m'a fatigué aujourd'hui, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Donc là, je mettrai un mastic de finition. Là, comme tu vois, ça ressort encore un peu ici, ici. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais retaper avec mon marteau pour rentrer les petites bosses là. Après, je vais finir avec un mastic finition. Et franchement, c'est pas mal pour un bas de caisse qui était vraiment mort. J'ai posé le mastic de finition et poncé. J'ai réparé les portes également. J'ai ajusté le tout. Tout est parfait. Après la peinture, voici le résultat. Le client était surpris du résultat.